En ce soir où nous célébrons la messe chrismale qui réunit tout le diocèse d'année en année dans cette continuité depuis les débuts de l'évangélisation de la Vendée, frères et sœurs, oui, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché et en nous confiant à la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je vous en prie. Miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Thank you.
saint, ton Fils unique, et l'a établi Christ et Seigneur. Nous t'en prions. Puisque tu nous fais participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. Proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur, servants de notre, on vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra ? Pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Thank you.
l'Apocalypse de saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Accordé par le Seigneur.
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, aujourd'hui s'accomplit cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. La messe chrismale est la fête du Christ grand prêtre, comme le proclamera la préface de ce jour. Par l'onction de l'Esprit-Saint, tu as établi ton Fils unique grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. La messe chrismale est aussi la fête du sacerdoce royal de tout le peuple de Dieu, selon la suite de la préface. C'est lui le Christ qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Elle est enfin la fête du sacerdoce ministériel des prêtres qui participent au ministère du Christ, grand prêtre pour le salut et la sanctification des hommes. Je cite encore, « Dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. » Cette triple fête, peut-on dire, tire son unité du Christ, unique grand prêtre, consacré et envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres par son Père. Selon la prophétie d'Isaïe, que Jésus reprend à son compte au commencement de son ministère public à Nazareth, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile de Luc. Remarquons que la consécration du Saint-Crème, qui est au cœur de la célébration de ce jour, est précisément le signe commun au sacrement qui nous relie au Christ grand prêtre. Les sacrements du baptême et de la confirmation pour le sacerdoce commun des fidèles, de tous les fidèles, le sacrement de l'ordre pour le sacerdoce ministériel des évêques et des prêtres. On sait comment le Concile Vatican II a mis en valeur la notion traditionnelle, du reste inscrit dans l'Écriture elle-même, du sacerdoce commun des fidèles baptisés. Voici la façon dont le catéchisme de l'Église catholique résume l'affirmation conciliaire. Je cite donc, « Le Christ, grand prêtre et unique médiateur, a fait de l'Église un royaume de prêtres pour son Dieu et Père. Toute la communauté des croyants est comme telle sacerdotale.
Les fidèles exercent leur sacerdoce baptismal à travers leur participation, chacun selon sa vocation propre, à la mission de Christ, prêtre, prophète et roi. Christ, prêtre, prophète et roi, vous reconnaissez là la prière que le prêtre dit en faisant l'onction de sa crème sur les nouveaux baptisés. Si le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ont la même source, le sacerdoce du Christ grand prêtre, le lien entre les deux est peut-être plus difficile à comprendre. C'est pourquoi le Concile précise, ayant entre eux une différence essentielle, non pas seulement de degré, ils sont cependant ordonnés l'un à l'autre. Qu'est-ce à dire ? Cela signifie qu'il y a une différence de nature et pas seulement de degré entre les deux sacerdoces. Ainsi, le prêtre n'est pas plus prêtre que le baptisé. Il ne s'agit pas de degré, hein, de dignité. Il est prêtre autrement. Mais distinguer les deux sacerdoces, ce n'est pas les séparer. Il faut donc les articuler. Voici comment le faire encore le catéchisme de l'Église catholique. Alors que le sacerdoce commun des fidèles se réalise dans le déploiement de la grâce baptismale, vie de foi, d'espérance et de charité, vie selon l'Esprit, le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce commun. Il est relatif au déploiement de la grâce baptismale de tous les chrétiens. Il est un des moyens par lequel le Christ ne cesse de construire et de conduire son Église. Séparés et encore plus opposés, les deux sacerdoces de nature différente, donc, serait mortifère pour l'Église. Pour les évêques et les prêtres, oublier que leur participation au sacerdoce de Christ d'être tête du corps fait d'eux des serviteurs de leurs frères et sœurs, l'oublier, ce serait tomber dans le cléricalisme qui, en les refermant sur leur pouvoir, devient cause de scandale et de contre-témoignage. Il faut donc rappeler avec force que le sacerdoce ministériel est ordonné, subordonné, peut-on même dire, au sacerdoce royal des fidèles, comme le moyen est subordonné à la fin. Cependant, pour les baptisés, refuser ou ignorer le sacerdoce ministériel institué par le Christ, c'est se construire une autonomie qui amène insensiblement à se couper de celui qui est la source de toute grâce, lui qui s'est offert en sacrifice pour notre salut. Toute grâce de sanctification, c'est-à-dire entrer dans la sainteté même de Dieu qu'il nous offre par le grand prêtre et médiateur, son Fils bien-aimé Jésus-Christ. En définitive, ce qui nous réunit tous, c'est notre commune vocation à la sainteté. Car comme l'affirmait Léon Blois, il n'y a qu'une tristesse
c'est de n'être pas des saints. Oui, finalement, notre seule vocation à tous est la sainteté, comme le rappelle avec vigueur le Concile Vatican II, l'appel universel à la sainteté. La sainteté, il est difficile de la définir, sinon qu'elle a sa source et sa fin en Dieu même, le Dieu trois fois saint. La sainteté consiste à vivre dans la vérité de l'amour. De plus, elle a, dans la communion des saints, une dimension essentiellement collective, car elle se vit à travers la croissance de tout le corps de l'Église vers le Christ qui en est la tête, comme le rappelle saint Paul aux chrétiens d'Éphèse, et je finirai sur cette citation: en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance grâce aux articulations qui le maintiennent, selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Fils très cher et frère dans le Christ, en cet anniversaire du jour où le Christ fit participer ses apôtres et chacun d'entre nous à son sacerdoce, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple saint de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris autrefois? Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie, le par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale? Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par
par la Sainte Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et assurer fidèlement la charge sainte de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur, avec désintéressement et souci des âmes. Et vous, frères et sœurs bien-aimés, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, le souverain prêtre, et vous conduisent à lui la source du salut. Malgré ma faiblesse, que je reflète parmi vous une image vivante et toujours plus parfaite du Christ prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Pasteur et brebis jusqu'à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Prions le Seigneur. Pour les diacres, ces hommes ont accepté de conjuguer vie professionnelle, engagement familial, avec un ministère ordonné pour être signe du Christ serviteur. Donne-leur d'agir selon l'esprit de l'Évangile, d'être plein de douceur dans leur service et fidèle à te prier sans cesse. Prions le Seigneur. Par leur maladie, leur souffrance. Que Dieu leur donne force et patience. Prions le Seigneur.
par la Passion et la Croix, nous parvenions à la gloire de la résurrection. Prions le Seigneur. Que ta puissance soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton esprit, Saint Consolateur, sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne, par ta bénédiction, l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Tu as créé l'huile, symbole de vigueur,
daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués, recevant de toi intelligence et énergie. Ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir des fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions, frères et sœurs bien-aimés, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu qui a institué les sacrements et qui donne la vie, nous rendons grâce à ton incomparable bonté. Tu avais déjà dans l'ancienne alliance laissé entrevoir le mystère de l'huile sainte. Et lorsqu'est venue la plénitude des temps, tu as donné tout son éclat dans le Christ que tu as présenté comme ton Fils unique lors de son baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth, le prophète envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le souverain prêtre qui rachèterait les hommes dans son sang, le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie. En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur, veut sauver le genre humain dans le mystère de sa Pâque, il remplit ton Église de l'Esprit-Saint, avec la merveilleuse abondance de ses dons, afin qu'elle puisse achever dans le monde l'œuvre du salut. Depuis, par le mystère du Saint-Crème, tu accordes aux hommes la richesse de ta grâce. Ainsi, tes enfants, après être nés de l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit et rendus semblables au Christ. Il participe à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Nous t'en supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce,
Que le mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères et nos sœurs que cette onction va imprégner. Fais resplendir ta sainteté sur les lieux et les objets marqués de cette huile sainte. Mais surtout, par les sacrements où cette huile sera employée, fais progresser encore ton Église jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude où toi-même, dans l'éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres, avec le Christ dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles.
ces sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut. Par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant.
reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te confions particulièrement les prêtres décédés au cours de cette année. L'abbé Robert Lampérière, l'abbé Auguste Rambaud, l'abbé Gérard Guérin, le chanoine Joseph Maupetit, l'abbé Gérard Pluchon, l'abbé Joseph Pierre, Père Gabriel Croisard, Père Pierre Bonomo, Père Jacques Michon, Père René Michon, Père Valentin Rocheteau. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos
nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, donne à ceux que tu as fortifiés par tes sacrements d'être au milieu du monde la bonne odeur du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Soit avec vous. Et avec vous que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Les huiles bénites et de sa crème sont devenues des signes porteurs de la vie même de Dieu. Après leur encensement, dans un instant, les flacons d'huile seront remis à chaque doyen qui les répartira dans les paroisses. Ainsi, par cet envoi des huiles dans tout le diocèse, l'évêque, par ses prêtres, transmet la vie du Christ à toute l'Église diocésaine. Allez dans la paix du Christ.